force au sein de chaque entreprise, ben on voit bien à quel point c'est évidemment quelque chose de dangereux quand le management, comme ils disent, s'empare des entreprises, y compris des entreprises publiques. Donc je ne serai pas long. Au nom de France Insoumise et du Parti de Gauche dont je suis le coordinateur, j'apporte toute ma solidarité, toute notre solidarité à Nathalie. On est avec elle. Et je m'adresse aussi à la direction de la SNCF, parce que ça suffit, au nom d'un service public, de discriminer les agents. Ça suffit d'avoir une politique qui, en réalité, n'a plus aucune différence avec une entreprise capitaliste normale. Ça suffit, cette politique qui vise à faire en sorte que les usagers deviennent des clients sans se tenir en compte du tout le rôle de service public, et à mettre la responsabilité sur les salariés et, de manière plus importante, sur ceux qui résistent en leur nom, c'est-à-dire les syndicalistes. Le 8 juin, après-demain, nous serons aussi devant les tribunaux pour défendre un camarade de la CGT 93, Gildo, qui se retrouve, comme beaucoup d'autres, après la loi El Khomri, pourchassé souvent dans le silence, simplement pour avoir manifesté contre le 49-3. Voilà, je crois qu'il faut qu'on se serre les coudes, et en tout cas, on est à votre côté, on est à ton côté, Nathalie, et on est sûr que ça va bien se passer, en tout cas, on l'espère. Merci, à bientôt. Merci. Pour poursuivre ces interventions politiques, on va donner la parole à Lutte Ouvrière. Ben, bonjour. J'apporte ici le soutien. J'apporte ici le soutien et la totale solidarité de Lutte Ouvrière à Nathalie, aujourd'hui convoquée au Conseil de discipline et menacée de licenciement par la SNCF. Cela fait près de 2 ans que la direction de la SNCF tente de sanctionner, de l'intimider. Sa direction a déjà tenté de la muter contre sa volonté, malgré l'opposition de l'inspection du travail. Devant l'échec, en juin 2016, sa direction tente de la placardiser et de la faire craquer, espionnant ses moindres faits et gestes. Là encore, la direction est passée au-dessus de la vie de l'inspection du travail. Incapable de briser une militante, la SNCF tente aujourd'hui de la licencier sous un prétexte farfelu, et elle est suspendue depuis janvier. Il est évident que la direction cherche de licencier Nathalie parce qu'elle est une déléguée, une militante combative, une travailleuse qui a appelé à s'opposer notamment à la loi du travail, à la démolition de la réglementation du code du travail. Derrière les militants et les grévistes, comme Nathalie, ce sont bien sûr tous les travailleurs qui sont visés. Ma camarade Nathalie Arthaud était venue le 15 mars dernier apporter son soutien lors du rassemblement pour Édouard. C'est un peu partout, à l'échelle de la SNCF, que des militants syndicaux, des travailleurs combatifs sont victimes de ces méthodes. La SNCF se comporte comme un patron de combat qui veut intimider, impressionner, faire courber la tête aux cheminots. Pour cela, elle utilise tous les moyens, légaux, illégaux, pour tenter de briser ou de licencier ceux qui lui barrent la route et qui s'opposent aux suppressions d'effectifs, à la baisse des salaires réels, à l'aggravation des conditions de travail. Ce n'est pas propre à la SNCF. Tout cela fait partie d'une offensive générale du patronat et des gouvernements à leur service, pour faire reculer la condition des travailleurs de ce pays. Partout dans les entreprises privées et publiques, et je peux témoigner par exemple que chez PSA, en ce moment, il y a des multitudes de demandes de licenciement, et notamment le secrétaire de la CGT de PSA, Poissy, qui va passer au pénal dans 15 jours. Alors leur but, à tous ces patrons privés et publics, c'est d'augmenter les profits distribués sur les actionnaires et augmenter la part qui vient donc aux actionnaires, et qui normalement devrait revenir aux travailleurs. Mais les patrons savent que sans les travailleurs, mais les patrons savent que les travailleurs sont capables de réagir collectivement et que les mesures anti-ouvrières peuvent déclencher une réaction générale. Et dans la construction de cette riposte, les militants ont un rôle primordial à jouer parce qu'ils montrent la voie au quotidien en gardant la tête haute, en ne cédant sur aucun terrain à la pression patronale, en montrant l'exemple, même quand la combativité générale reflue momentanément. C'est autour de ces militants que se regrouperont les travailleurs demain quand ils voudront réagir. Les patrons le savent. C'est pourquoi ils tentent de les réprimer, de dissuader les travailleurs de suivre leur exemple. Alors, il est indispensable aujourd'hui de serrer les coudes
d'afficher la solidarité maximale à toutes celles et tous ceux qui, comme Nathalie, sont victimes de cette répression ouvrière, antisyndicale. Il est indispensable de préparer une riposte générale qui renversera le rapport de force entre le travailleur et l'ensemble du patronat et qui nous permettra de changer la situation. Merci. On va donc donner la parole maintenant au comité de soutien Nathalie, à Olivier Dutoit. Olivier Henry, pardon. Il y a plein d'Olivier chez nous. C'est pour devenir centenaire. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés devant le siège de SNCF Réseau, cet immeuble anti-suicide sinistre qui est en face de vous, pour soutenir Nathalie Pradel, une cheminote menacée de licenciement, tout simplement parce qu'elle est militante Sudrail et déléguée du personnel. En son nom, mais elle prendra la parole, et au nom de tous les camarades et collègues qui la soutiennent, je vous remercie d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. C'est une belle manifestation de solidarité. Nathalie Pradel, déléguée du personnel, secrétaire du CHSCT Accès Réseau, militante de la grève contre la loi El Khomri, comme tant d'autres ici présents, est victime depuis un an et demi du harcèlement constant de sa hiérarchie, qui ne supporte pas qu'une femme, cadre, puisse être en même temps militante revendicative, défendre ses collègues et apporter la contradiction au projet néfaste mis en chantier par la direction. Cela fait maintenant un an et demi qu'à l'arrivée de sa nouvelle N+2, Mélanie Bertrand, Nathalie, qui est adjointe de sa DPX, est en butte à l'acharnement de cette dirigeante et de la direction qui la soutient. Cette dirigeante a d'abord essayé de la déplacer sans son consentement. Un jour, dans une réunion de service, elle annonce à son équipe, en l'absence de Nathalie, que notre camarade a son ticket de sortie. En clair, qu'elle est priée d'aller voir ailleurs qu'à la DCS. Nathalie n'a jamais manifesté son désir de quitter son poste. Mais sa N+2 force l'affaire et il faut l'intervention de deux inspecteurs du travail, de Paris et de Bobigny, pour faire entendre la loi à la direction de la DCS. On ne peut pas déplacer un salarié protégé sans son accord. Qu'à cela ne tienne, la dirigeante du service décide alors de laisser Nathalie sur place, mais de lui enlever toutes ses missions d'adjointe. Elle annonce le recrutement d'un nouvel agent pour faire le travail de Nathalie. Lors de son entretien annuel, Nathalie refuse cette nouvelle mise au placard. L'intervention de l'inspecteur du travail est de nouveau nécessaire pour signifier à la direction qu'on ne peut pas modifier les missions de salarié protégé sans son consentement. Alors la direction change à nouveau de tactique. De harceleuse, elle tente de se faire passer pour harcelée, pour victime de Nathalie. Les deux chefs de service tombent miraculeusement malades et disparaissent de la circulation. Nathalie est même accusée de marabouter son équipe, se voit privée de toute autonomie, reçoit des directives par mail, des ordres et des contre-ordres. Elle est épiée, surveillée, mise en quarantaine. Heureusement, le soutien infaillible de toute son équipe de travail, d'autres collègues du bâtiment, de ses camarades de combat, de ses amis, l'empêche de craquer. Mais vivre dans ce climat de haine, journalier et de suspicion permanente, ce n'est pas une vie. Face à ces coups constants et sur avis de notre avocat, nous avons déposé un dossier au tribunal des prud'hommes pour harcèlement et discrimination. Ne parvenant pas à ses fins, la direction joue le tout pour le tout. En janvier de cette année, alors que Nathalie recherche une fiche train dans une application sur le bureau de sa chef, la direction l'accuse ni plus ni moins que d'avoir, je cite, était trouvé la souris à la main en train de consulter l'écran de sa DPX et d'avoir effectué, je cite encore, des manipulations. Pour cela, elle envisage de la radier des cadres, en clair, de la licencier et lui interdit, depuis la notification de cette sanction, de retourner à son travail. La ficelle est énorme, mais qu'à cela ne tienne. Même si Nathalie gagne au tribunal, elle sera hors de l'entreprise et ne sera jamais réintégrée. Derrière Nathalie, la direction vise en réalité tous les cheminots d'Equinox, qui est le bâtiment où travaille Nathalie. À travers son cas, c'est l'ensemble des cheminots que la direction veut faire taire et mettre au pas. Elle tente d'intimider, de réprimer tous ceux qui refusent la dégradation des horaires avec la mise en place du forfait jour,
la dégradation des conditions de travail, les suppressions d'effectifs, les menaces de privatisation et d'éclatement du service, comme c'est le cas avec la mise en place des plaques, ce démantèlement annoncé du service des horaires nationaux, car il faudra faire accepter le lot de mutations forcées, de reclassements subis, alors que ce service a déjà déménagé 2 fois en 10 ans. La direction veut des travailleurs dociles et serviles, et c'est ce que nous refusons d'être et de devenir. Parce qu'elle est cadre et militante non docile dans un milieu maîtrisé cadre, elle gêne les projets de la direction. La direction voudrait forger un encadrement du type de celui qu'on trouve à Citroën, une espèce de milice aux ordres, coupée de la base, sans sympathie pour les cheminots de la production. Pépi et sa clique voudraient un encadrement qui ne compte pas son temps, ne conteste jamais sa politique et qui soit mobilisable à tout moment dès que la direction claque les doigts. L'an passé, pendant la grève contre la loi El Khomri, nous avons vu comment des cadres se sont vus enrôlés de force parmi les volontaires de l'information au sas de l'entrée de l'immeuble de Nathalie. C'est sûr, ils auraient mieux fait de venir aux assemblées générales de grévistes. Avec le forfait jour, la direction officialise la pression qu'elle exerçait sur son encadrement pour que ses cadres soient corvéables et taillables à merci durant 210 jours par an, sans aucun taquet horaire, sans aucun garde-fou journalier, puisque c'est le dirigeant lui-même, celui qui empile les dossiers de travail sur le bureau, qui serait garant du bon respect du repos journalier. En somme, le bourreau garant de la santé du condamné. Et si vous avez encore trop de repos, vous pourrez les faire disparaître dans un compte-temps qui, d'année en année, deviendra beaucoup plus difficile à vider qu'à remplir. Alors qu'il y ait dans une direction, parmi les maîtrisés cadres, des syndicalistes comme Nathalie, pour pointer du doigt cette mise au pas et ces dégradations de conditions de travail, c'est insupportable pour la direction. Cette volonté de la direction de la SNCF n'est pas anachronique. Elle s'inscrit dans une volonté générale du patronat d'avoir des coups des franges dans les entreprises, de ne pas s'embarrasser de lois, de codes de travail, de règles contraignantes et encore moins de délégués revendicatifs. Et cette tendance est relayée à volonté par la presse. Le nouveau gouvernement annonce sa volonté d'aller vite dans la mise à mort de la protection des salariés. Macron a déjà annoncé que dès cet été, il commencera par s'attaquer au code du travail, puis à l'assurance chômage, ensuite il s'en prendra aux retraites. On nous rabâche à longueur de journée, de JT, l'argument totalement surréaliste que si on veut développer l'embauche, il faudrait d'abord donner au patron le droit de licencier sans difficulté, alors que toutes les facilités accordées au patronat jusqu'ici n'ont conduit qu'à une hausse constante du chômage. Et ce n'est pas la comédie du prétendu dialogue social qui va nous convaincre. Au patronat, Macron a déjà promis du solide. Les accords d'entreprise supplanteront les accords de branche et le code du travail. Les indemnités qu'un patron aura à payer en cas de condamnation au prud'homme seront plafonnées. Les patrons veulent pouvoir moduler le travail, écraser les salaires comme bon leur semble. La loi, ils veulent la faire eux-mêmes. Dans les faits, c'est déjà souvent le cas. Ils ne se gênent pas pour piétiner le code du travail. Mais ils réclament d'avoir les coudées encore plus franches et que le gouvernement l'officialise. Ils prétendent, au nom de l'intérêt de l'entreprise, que les travailleurs doivent accepter tous les sacrifices et que c'est le seul moyen d'éviter les suppressions d'emplois. Et puis, une fois les sacrifices imposés, ils suppriment quand même les emplois. Voilà comment s'édifient les fortunes des actionnaires qui battent des records chaque année. À nous, aux représentants syndicaux, le gouvernement promet juste de discuter et rien d'autre. Ce n'est pas autour d'une table de négociation faite pour lanterner les travailleurs qu'on peut faire reculer le patronat. C'est par des luttes, par un combat conscient, un combat impliquant le monde du travail dans son ensemble. Alors cheminots, au statut ou pas au statut, travailleurs du rail ou salariés d'autres secteurs, c'est tous ensemble, des chantiers navals à l'agroalimentaire, à l'automobile ou à la poste, des banques, aux hôpitaux, aux transports, en passant par la chimie et les différentes branches de l'économie, nous avons les mêmes intérêts. Le recul des conditions de travail des uns entraîne celui des autres. Car les suppressions d'emplois dans une branche, en augmentant le chômage, pèsent sur l'ensemble du monde du travail. Pour cela, nous devons, malgré nos différences de statut, de syndicat, de religion, malgré nos crispations, nous unir pour défendre nos intérêts communs. Et cela commence aujourd'hui par la défense de nos camarades menacés. Merci.
On va donner la parole à Eric Benalla pour l'Union syndicale.